Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue Hogwarts Legacy. Sur cette session, on va partir récupérer déjà une première série de demi-guises, de l'une de demi-guises, là, demi-guises, je crois que c'est. Histoire de déverrouiller les nouveaux sorts à l'Omora 2 et 3. Et vu que c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir vraiment fouiller tout le jeu, vu que je me suis déjà retrouvé bloqué, parce que justement j'avais pas ces sorts là, je pense que le mieux c'est d'aller les récupérer tout de suite. Après je sais pas combien de temps ça va nous prendre, donc on verra après, le temps qu'il nous reste sur la session, on ira faire autre chose. Peut-être aller récupérer les magies de... comment ça s'appelle les magies de... les magies anciennes, les recharges de magie ancienne. Alors, le premier, il est là, le cours de l'horloge. Après, à savoir que les lunes, elles n'apparaissent que la nuit. Bon, elles y sont la journée, mais on peut les récupérer que la nuit. Donc du coup, il faut faire passer le temps. Allô, Omora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Alors, suivante. Salle d'astronomie, la salle de classe de professeur Fig. Suivante. Désolé, hein, si à des moments j'ai un peu des... Je fais un peu des pauses, c'est parce que je regarde en même temps en fait. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Mais je ne peux plus essayer, car je sens que je vais rigoler. Je me suis gouré. Alors. Je
C'est pas la salle de divination. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ouais, c'est ça. Tu es à moi à présent, Donny Guise. Alors, allô, Mora. Alors, next. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, Demi Guise. Alors, suivante, l'annexe de bibliothèque. Et bibliothèque. Au secours ! J'ai été enlevé ! En route pour de nouvelles aventures ? C'est quand même super grand, hein, le château de Poudlard, c'est abusé. Alors, prochaine...
Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Voilà. Alors maintenant, on va aller après au lard. Attendez deux secondes. Préolard, me voilà. Alors... Alors, je regarde la suivante. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Excusez-moi, mais auriez-vous quelques instants pour aider une vieille femme ? Bonjour. Alors comme ça, on veut changer sa garde-robe ? Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez votre temps. On a plus là. En fait, c'est pour venir ramener les lunes, justement. Hop, l'homme derrière les lunes. On doit en avoir 9. Et est-ce qu'on les voit là-dedans? J'en ai 10 même. Bonjour, monsieur Moon. Salutations! Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise ? Tout à fait. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien, je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues.
Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante. Ah ouais, faut encore lui en ramener. Hein. Dans le monde des sorciers, du moins à ma connaissance. Super. Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. Ouais, et ben du coup on reviendra à une prochaine session, parce que là je sais pas où sont les autres lunes. Il faudra que je récupère un guide qui permettra d'aller récupérer. Du coup, au niveau de la session, on va continuer. On va aller faire les magies anciennes, comme je vous avais dit. Après, il y a une quête là. C'est celle qu'on vient de lancer. On a ce qu'on vient de faire. Il faut lui en rapporter 13 maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une table d'astronomie. Ah, attendez, je vais regarder dans les zones, dans les différentes régions. Région, statue, machin, table d'astronomie, ennemi connu. C'est pas listé les trucs qui augmentent la magie. Parce que là, il y en a une. Il n'y en a peut-être pas dans ce secteur. Ah oui, c'est ça, source de magie ancienne, 6. Qu'est-ce qu'il y en a ici? Ouais, source de magie ancienne, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Là, il y en a une. Mais bon, bah du coup, on va aller récupérer cette magie ancienne. On va faire ça par carte, par zone, par région. Et alors, là... Équipez-vous du matériel que vous avez trouvé, achetez ou améliorez. Incendio. C'est bon, je l'ai récupéré. Il y en a peut-être d'autres. Passage en dessous. Revelio. Action. C'est encore un truc avec des squelettes là. Action. Attaque-moi.
Mafiosa. C'était pas si difficile. Ok. Voilà, récupérer le truc. Non, moi c'est les ossements que je vais récupérer là. C'est un peu chiant leur système de lock. Hein. Allez. C'est la plaque. Mais. Faut que je monte dessus pour que ça fonctionne. C'est bien. Action! Wingardium Leviosa! Action! Revelio. C'est un peu bugué. Non, c'est bon. Guardium Leviosa. Voilà. Okay. Bon, un autre. En route pour de nouvelles aventures ? Et merde, putain. Putain, c'est quoi ce miaulement là ? Un peu enroué votre chat. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Revelio. Incendio. Revelio. Qu'est-ce qu'il fout là ? N'a pas été trop dur. Yes. Sir. Ouais, bon, c'est pas très compliqué ces trucs. Revelio. Capacité de la jauge de magie ancienne accrue. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra encore une autre charge. Et alors, du coup, on a dit qu'il n'y en avait pas. On vient de la faire, là il n'y en a pas. On va aller se faire celle de la vallée de Poudlard. Je me demande qui y vit.
C'est quoi ce logo là? Ouais, on en a déjà vu des portes comme ça, je sais ce que c'est. Labyrinthe végétal. Parviendrez-vous à trouver le trésor qu'il renferme? D'accord, ouais, du coup, il doit peut-être falloir passer la porte. Bon, l'espèce d'arche pour activer le truc. Ah, c'est plus tard. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolin. Tu aimes. C'est donc toi la vermine qui a sauvé la douane. Je vais récupérer le baume gobelin. Dans ce sac, hein. On vient les vieux sons. Incendio! Levioso! Levioso! J'aimerais bien lui faire un stupéfix, mais elle m'envoie pas de sort qui me permet de le faire. Levioso! Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte! Wingardium Leviosa. Incendio. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Revelio. Wingardium Leviosa. Action. Incendio. Leviosa. Wingardium Leviosa. Incendio. Bombarda. Incendio. Bombarda. C'est mort. Incendio. Bombarda. D'accord, défi, je l'ai validé vraiment à l'arrache. Revelio. Je me demande qui vivait ici. On récupère la caisse. Wingardium Leviosa. Revelio.
temps de descendre, arrête de t'accrocher de partout. Et du coup, vu qu'il neige un peu, mon perso, j'ai les cheveux qui sont devenus un peu blancs. Alors, on y rentre comment là-bas dedans? On va peut-être en passant par là du coup. Non. Incendio. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir cette fois-ci. Revelio. Yes, bon allez, suivant. Guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Gardium Leviosa. Incendio. 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 Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Incendio. Gardium Leviosa. Levioso. Revelio. Échelle en bas. Elle se referme la château. Porte. Hein. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Incendio. Les malins, ils avaient caché ça derrière la végétation. Celui qui est là, on y a déjà accès.
ceux de l'autre côté. Je devrais regarder ça. Revelio. Incendio. Ça, c'est quoi ce bordel? Un truc qui m'a pété à la gueule, il me semble. On se fait chier à utiliser les chemins, en fait on peut voler. Bon, après peut-être qu'on nous empêche d'atterrir du coup. Incendio. Et voilà. Et voilà. On va tomber dans le vide. Alors, celui qui est par là, je pense qu'il est pas dans la même partie. Non, il est dans une autre partie. On en a fait deux, il en reste quatre. Alors, un, deux. Ou les autres, je les ai pas trouvés. Ouais, par là, deux. Où est-ce qu'ils peuvent être les autres? Ouais, je vais peut-être essayer de voler et puis de faire un peu de répulso. Là, il y en a pas un là. Ah non, c'est un campement. Ouais, je pense qu'il faut que je vole et que j'utilise un repulso Revelio. Revelio. Ouais, bizarre qu'il n'y en ait pas par là. Ah bah si. Ouais. Ouais, bah on va le faire, on est juste à côté. Incendio. Protego. Stupidus. Incendio. Incendio. Revelio. Oui, là au-dessus. Ah bah non, c'est pas. J'avais pas vu. C'était
puis voilà. Difficile. Et 1, 2, 3. Ouais, ici, un truc chelou là. Ce machin là, avec un truc d'astronomie, on dirait. Les logos. Ouais. Non, au début, je croyais que c'est des trucs. Les pierres servent parfois de prison. Ouais, du coup, à mon avis, il faut résoudre l'énigme pour ouvrir cette porte. Bref, bon, du coup, on n'est pas là pour ça. On va continuer. Réveillon. On arrive à trouver ce truc. Réveillon. Ouais, bon, je vais faire celui-là. Il y en a deux l'un à côté de l'autre. Je crois que c'était les deux qu'on avait déjà sur la carte. Ses ennemis. C'est toi qui as volé. On fait le sortage du couteau d'un assassin. C'est toi qui as donné le nom au gobelin. Enfin, leur gobelin. Wingardium Leviosa. C'était le nom. Une scène d'eau. C'est toi qui as fait ça. Grossière erreur. Alors comme ça, tu sais pas. Incendio. Ne perds pas ton. Répulsion. Incendio. On a eu assez. Incendio. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Réducteur. Les ennemis. Pathétique. Ouais, de mettre à l'étage. Il est passé où le truc? Incendio. Mon sorcier. Gardium Leviosa, propulsion. Tu ne vas pas être très doué avec ça. Voilà. Incendio. Réveillon.
Waouh, deux pièces. Elle est longue avec ça. Revelio. Action. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, les ennemis là-haut, c'est des petites araignées. Incendio. Ça n'a pas été trop dur. Yes, bon alors. Et du coup, il y a celui-là. Je vais essayer de partir au sud et de scanner le secteur pour essayer de trouver l'autre. Revelio. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ah bah c'est celui-là. Simplement. Dernier. Revelio. Ils l'ont planqué où? Derrière ça. Non. Revelio. À faire celui de là-bas. On a fini le secteur. Revelio. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Incendio. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. C'est bien, ils placent des objets à récupérer, des fois on n'arrive pas à les récupérer. Connaissant un mythe, il est sans doute venu étudier ici. Wingardium Leviosa.
Une table d'astronomie. Elle sera utile une fois la nuit tombée. Revelio. Et voilà, résolu. Bon ben voilà, fini celle du quartier. Hop, on pourra améliorer encore la magie. Et apparemment il reste encore 12 à trouver. Est-ce que je peux plein niveau inventaire? Alors, vérifions qu'on a tout récupéré là. 6 sur 6. Bon alors, on va aller faire celles qui sont là-bas. Ouais, je peux te téléporter. Ouais, comme ça on va essayer de terminer tout ça sur cette session là. Aujourd'hui que voyager, ouvrez l'esprit. Tranquille pour les prochaines. Puis prochaine session, je verrai si j'arrive à trouver quelque chose pour aller récupérer les dernières lunes de demi-guise. Sinon peut-être qu'on repartira faire un peu de quête principale. Attendez, je vais éliminer les ennemis. Hein. Pathétique. Tu mourras avant d'avoir fait. Action. Essaye de réagir. Les cochons qui agissent. Arrête immédiatement, s'il te plaît. Gardium Leviosa. J'exige que tu lâches. De nos jours, je sais que tu es plus expérimenté. Plus. J'ai réussi. J'ai vaincu un serpent sombre. Rien que ça. Il est tout content, alors j'en ai déjà tué, je sais pas combien. Alors, celui-là. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Incendio! C'est simple même. Voilà, et de 1, il y en a 4 normalement. Ouais. 1, 2, et 3. Et... Ouais, du coup, on va toutes les récupérer sur cette session, comme ça sera fait. Je te vois. Ça sent les ennuis. Non.
l'élève qui nous a arrêtés à Feldcroft. Tu ne pourras pas tous nous vaincre. C'est toi qui as libéré Duchesne. Tu n'as fait preuve d'aucune pitié à la montagne, Odin. Incendio. Confringo. Toi, tu as bien joué. Qu'est-ce que tu t'en tireras pas comme ça. C'est l'élève qui utilise la magie. Incendio. Non mais la blague, parce qu'il y avait un peu de végétation, ça l'empêchait de monter. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir cette fois-ci. Revelio. Ouais, carrément. Ça m'intrigue. Non, mais ça c'est pas ça, ça c'est une épreuve de Merlin. Revelio. Ah, là-bas au fond dans la grotte, il y en a une. Qui est toute là-haut. J'ai pas l'impression qu'il y a un chemin pour monter. Par là. Ouais, faut peut-être venir directement avec le balai. Ouais. Si seulement le professeur Fig avait vu ça. Jesus.
cet endroit a connu des jours meilleurs. C'est peut-être le mécanisme pour ouvrir la porte là-bas. De la grotte. Revelio. Ça n'a pas été trop dur. Easy. Bon, voilà. Alors, les autres secteurs. Ici, œuf de Merlin. Ok, il n'y en a pas. Ici, il y en a deux. Là aussi. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Là, il y en a pas. Alors, on va aller coller le machin. Ah, bah, elle est là. Il y en a deux ici. Il y en a deux là. Hein. Est-ce qu'elle serait pas là-haut? Non. Est-ce qu'elle est la seconde source? Ah bah elle serait celle-là, non? Non, c'est celle de la région d'à côté. Bon, elle doit être par là, du coup on s'est téléporté. Et puis on va scanner le secteur. Ça va pas être très dur à trouver. Ouais, comme ça on va terminer tout ça sur cette session. Ça va loin et je n'ai pas d'amis. C'est tranquille après. Revelio. Alors, Alors d'Atrel. Alors, comment on va rentrer? Pas sûr qu'on puisse passer par la fenêtre. Hein. Ah bah, on peut voir là. Allô, Omora. J'ai pas vu. Revelio. Incendio. Confringo. Revelio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Bombarda.
Voilà, et de une. Wingardium Leviosa. Leviosa. Je pense pas que je puisse sortir avec. Revelio. Donc elle me sert forcément à monter. Ah, c'est ici. Wingardium Leviosa. J'ai pas vu qu'il y avait un renfoncement. Voilà, déjà mieux. Bombarda. C'était pas si difficile. Yes. Bon ben suivante du coup celle-là. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de... Revelio. Je me demande qui vivait ici. Que ce serait là-bas. Action. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Incendio. Action. Lumos. Revelio. Wingardium Leviosa.
Levioso. Et voilà, résolu. Et voilà, résolu. Ouais, bon, c'est pas très dur. Revelio. Pourquoi il marche à quatre pattes, noté. Alors, next. On arrive bientôt au bout. Ouais, puis du coup, on finira la session, je ferai un peu de gestion. Pour de nouvelles aventures ? Ouais. Je pense qu'il faut que je me débarrasse de... Qui est là ? Ah ! Il n'y aura pas. Répulsion ! Vous devez respecter nos engagements. Non mais genre je l'ai pas touché, pourquoi il est parti aussi doucement là quand je l'ai frappé. Allez. Oh là là, c'est pas bon. Genre, je l'ai pas touché là. Ah non, c'est sur un élément destructible. Un ennemi sur un objet destructible. D'accord. Hâte de bouger. Lumos, incendio. Tu n'arrêteras jamais. Comme moi, j'ai survécu à notre campement à la montagne maudite. C'est l'élève qui a libéré du chef. Incendio. Lumos. Les vieux sont... Les imbabs, c'est du coup ils font des références au fait que j'ai terminé certains trucs. Que j'ai justement traversé la mine là et tout ça. En éliminant les gobelins. Du coup il fait référence à ça. Rébellion. Pas mal. Milo. Et deux. Hello you. Qui nous a arrêté à Feldkrop. Dégage. Je crois que la botanique. Vous n'avez jamais vu un chantier utile. Les vieux sont. Oh, dégage. Non, j'avais pas vu qu'il y avait un truc qu'il fallait ralentir. Pas grave. Alors. Alors, réparo. Paro. C'est cette musique qui s'excite là. Ah non, c'est un niveau 3. Putain. J'ai marre de ces trucs de merde. Rébellion.
récupérer. C'est relou avec ça. S'il nous en manque, hein. Il est en bas, je crois. Pourquoi il est speed comme ça? Calme-toi! Là. Oh! Oh! Il pète un câble, balai là. T'es au taquet. Alors que j'appuie pas sur les touches pour accélérer. Bon, bah, du coup, on peut pas le récupérer, quoi. Je pense pas qu'on puisse passer par les fenêtres. Heureusement. Ah non, mais cette blague, quoi. Attends, j'en ai marre de cet Alomora, là. Oh, de la merde. Ça m'empêche de terminer, d'accéder à toutes les zones que je veux. Et puis, du coup, il n'y a pas d'autre endroit pour rentrer. Mais... Bon, ben, on va pas pouvoir terminer ça. On va en faire un autre. C'est vraiment pérave leur truc. Donc voilà, du coup on a commencé un truc, on peut pas le finir, j'adore. Comme la quête d'ailleurs, qu'on n'avait pas réussi à terminer, une quête annexe, parce que j'avais pas Alomora pour rien. D'ailleurs on aurait peut-être terminé la session avec ça. Incendio. Réparo. Bah oui, réparo. N'importe quoi, elle a glissé sur la paille. C'est vachement léger. Rebellion. Réparo. Action. Revelio.
Réparons. C'est bien que j'ai un truc pour remonter dessus, hein, parce que là c'est trop, j'ai jamais réussi à remonter. C'est quoi ce bordel? Action. Réparons. Le dernier là-bas. Ah ouais, en fait, faut passer par là. Ah. Buggy, you. Ah. Comment on fait réapparaître en haut? Alors. Pourquoi ça a arrêté de courir là aussi? Il me saoule. Combien du coup? Là il y en a un autre à faire. Ah bah, c'est celui-là du coup qu'on peut plus terminer. Après normalement il y en a encore un là. Un là et un là. Ah tiens d'ailleurs là on voit le nombre total en fait, j'ai pas vu. Il y a 117 coffre de collection, 31 pages de sorcier. Il n'y a que 31 pages. C'est bizarre. 95 épreuves de Merlin. Putain, ça va être long. 15 sources de magie ancienne. 32 ballons. 11 statues de demi-guise. Attends, mais c'est pas logique. Il ne reste pas 11. On a déjà trouvé en plus pour. Ah, mais c'est parce que là, on est dans les Highlands. Ok. Ah mais non, en fait, ça m'indique... Je comprends rien, leur truc, là. Ils mettent l'Highland. L'Highland, c'est où? C'est l'intégralité de la zone, l'Highland. Bref, on s'en fout. Allez, on va aller faire celle qui est par là. Elle est là. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit.
Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il est bizarre avec sa lumière. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Il me semblait que j'entendais des ennemis apparaître. Bombardable. Répulsion. Incendio. Incendio. Devant lui, mais non, non. Projeter un ennemi à rien, c'est... Décembre. Décembre. Bombardable. Incendio. Revelio. Je sais pas pourquoi il se met accroupi quand il marche sur les planches. Revelio. Chelou derrière, c'est une autre fois. Et il est au-dessus, je crois. Comme d'hab, l'inventaire qui saoule. Revelio. Ouais, bah du coup, on va prendre le balai. Hein. Regardez s'il y a moyen de passer par derrière. Ah, mais je me demande en fait si c'est pas le mécanisme, c'est pas un espèce de système de téléporteur. J'ai jamais réussi à rentrer. Ça n'a pas été trop dur. Ouais, l'espèce de grenouille là, je pense que c'est un système de téléportation. Encore mon emplacement qui est plein. Faut en détruire d'autres. Voilà. Un peu de plage, j'espère que ça sera suffisant pour finir. Allô, Mora.
Ouais, bon bah allez, on va aller faire le dernier. Là c'est fait. Là il y en a pas. Du coup, le dernier est par là. Là. Ce sera pas encore un truc où il y a besoin d'avoir des portes de niveau 3. Il n'y a rien ici non plus. Ça a pas l'air. J'imagine que je devrais jeter un œil. Tu fais où? Tu as fait les vieux sont. Incendio. Incendio. Dommage que personne n'ait vu ça. Que me réserves-tu? Voilà, comme ça, on sera tranquille. Voilà les autres. Ah non, ils sont dehors. Passage de l'autre côté. Il me semblait que là-bas on pouvait ouvrir. Là en dessous. Incendio. Bon, du coup on se demande un peu pourquoi ils sont fichés à faire tout ça, parce que là avec le balai. Le récupérer en 2 secondes. Enfin bref. J'essaie de faire le chemin normal. Voilà, bon bah du coup je pense qu'on a terminé le truc de magie ancienne. Bah non, ça me dit qu'il y en a d'autres. Source de magie ancienne, 17 sur 20. What the fuck. Source magie ancienne, 1 sur 1. Magie ancienne, 1 sur 1. Là c'est 1 sur 2 mais c'est normal. Source de magie ancienne 2 sur 2. Source de magie ancienne 6 sur 6, 4 sur 4. Est-ce que j'en ai loupé? J'ai dû en louper 2 quelque part. Ah bah c'est là. Le boulet. Le boulet. Je vais les faire vite fait. Ouais, j'avais mal regardé quoi. Regardant le
résumé des éléments à récupérer dans la zone. J'ai pas eu. Vraiment, c'est avec un système de téléportation. Je vois qu'il y a des grenouilles à côté. Ouais, c'est ça, faut trouver les bons téléporteurs. Et ce n'est pas ça que je voulais faire. Revelio. Suivante. Ouais, puis du coup après on va la salle sur demande, je vais aller revendre les trucs. Revendre les trucs après. Il y a la quête annexe du coup qu'on n'avait pas fini, je la finirai au début de la prochaine session. On ira faire des quêtes annexes en prochaine session. Truc à l'Omora, on gardera ça pour la session d'après. Hein. Pas de défi qui apparaît. Protego. Bombarda. Incendio. Tu n'auras pas ma baguette. Ne t'embête même pas à essayer. Et qui parle ? Protego ! Bombarda ! Incendio ! Ouais, je sais pas du tout qui c'est qui parlait là. Il y en a un qui disait t'auras pas ma baguette. Revelio ! Un ennemi ailleurs encore ? J'en vois un jouer une flèche rouge sur la carte, mais je vois pas où il est. Oh putain, mais c'est pas possible. Encore l'inventaire qui est plein, c'est insupportable. Je sais que c'est toi qui as volé notre hippogriffe. On te cherchait. Tu as causé beaucoup de souffrance dans mon entourage. Et maintenant, Rébellion. Tu vas le payer.
comme s'il était là, sauf qu'il est pas là. Tu ne devrais pas voler les hommes comme ça, on a volé, tu sais. Plus qu'une à faire, mais... malheureusement, il faudra l'Omora 2, 3. Du coup, on va aller sur la salle sur demande. Vous avez préparé beaucoup de potions. Alors, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Ce truc tout moche là. Chose de terrible finalement. Que je pense à utiliser les plantes pendant les combats. Seul qui a une étoile. Là, là, je ne te ferai pas de mal. Merde. Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Du coup, en fait, les juvéniles, je sais pas comment on fait pour les faire grandir. Allez, on va aller voir le dernier vivarium. Après, il y en a encore un autre, mais il n'y a pas de pas suffisamment de créatures pour faire de la reproduction. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. On va revendre tout ça. Et puis, on arrêtera pour cette session. Ouais, il y a quand même pas mal de quêtes annexes à faire, donc prochaine session on repartira dessus. Je crois juste les doigts pour qu'on n'ait pas un problème avec Alomora 3 là, qui nous bloquerait pour terminer une quête. Est-ce qu'il existe plus accueillant? Je pense que la session après, suivante, on ira récupérer les dernières lunes. Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame La Wang. Je vous dois une ouais, guerre... tu nous l'as déjà dit 150 millions de fois. Et eh ben, ça fait du bordel à l'heure. Ok.
14 000 en thunes. Je peux qu'en faire de l'argent. Voilà. On ramène les créatures. Au revoir, très vite. En route pour de nouvelles aventures ? Entrez, navré pour l'odeur. J'ai vraiment complètement buggé ce magasin. Chaque fois que je rentre dedans, il y a des machins qui tombent du plafond et tout. Trop chelou. Voilà. Je serais ravi de vous revoir. Allez, on a un seul sur demande. Finir. J'aime bien faire à chaque fois. Finir la session. Voilà, parfait. Petite save. On verra combien d'heures on en est. 17, 30, 30. 32 heures. C'est bien ça. Voilà, voilà. Bon, bah bref, bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. En espérant qu'elle vous sera utile. Peut-être pour les magies. Bah pour l'emplacement des lunes de demi-luise aussi. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à ça quand on aura fini toutes les récupérer. Et puis, puis voilà, puis bah, du coup, demain, on repartira du coup sur les quêtes annexes, comme je vous ai dit. On se refera une petite session en espérant qu'on n'a pas de problème, qu'on ait pas de problème avec Alomora qui, voilà, pour accéder à toutes les zones, parce que c'est chiant s'il y a des quêtes annexes qui nous bloquent comme ça, c'est un peu relou. Voilà, et puis du coup, je pense que la session d'après, on repartira chercher les dernières lunes de demi-guise. Comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. Alors, on aura l'Omora 3, on pourra accéder vraiment à toutes les zones. Quoi. Voilà, voilà. Bref. Bon, bah écoutez, on se donne du coup rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Hogwarts Legacy. Bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.